reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur ce bord. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils ont attrapé un ritualiste sur la route. C'est ce que nous allons voir ici. Mais avant d'aller voir ça, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé d'abord pour que vous puissiez bien comprendre. Là, quand on voit les images, vous ne serez pas surpris ou dépaysé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a eu un accident de la route. Un grave accident. Même l'autre voiture a fait un tonneau et ça a commencé à prendre feu. Du coup, les gens sont venus. La police aussi est arrivée. Maintenant, la police a fait le constat, non? Mais bien sûr que oui. On ouvre la voiture, l'autre voiture, c'est-à-dire la voiture qui n'a pas fait de tonneau là. C'est-à-dire la voiture qui est responsable de l'accident. On ouvre la voiture, on fait sortir les passagers et on découvre que il y a quelque chose de bizarre dans la voiture. Même des choses bizarres dans la voiture. Et les gens vont au fond et ils découvrent beaucoup de fétiches. Ils découvrent quoi? Beaucoup de fétiches dans la voiture. Ils disent, hein, sérieux? Ce sont des ritualistes. Venez, venez, venez voir, il y a félage. Voici, des ritualistes, on les a attrapés ici. Venez voir, venez voir. Du coup, le monde est venu autour de là où se trouvait. Là où se trouve cette voiture. Et vous allez voir ça, fini. Âme sensible, veuillez vous en abstenir. Si vous savez que vous avez peut-être pareil. Hein? Ah. Regardez la vidéo suivante. Hein? C'est pas forcé. Hein? Vous voyez ça là. C'est grave. Regardez ça. Vous voyez ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont venus voir. Oh, venez voir. À virage. Regardez, dans la voiture qui vient de faire l'accident, nous venons de trouver un poulet, plus beaucoup de fétiches. Mais alors, en profondeur, pour essayer de voir s'il n'y a pas les parties d'un corps humain. Là, les gens vont aller voir, mais s'il y a vraiment un corps humain. Donc, tour à tour, hein, ils vont aller jeter un coup d'œil dans la voiture pour voir s'il y a réellement un corps humain. Vous voyez, la fumée sort de l'autre voiture qui est là-bas. La voiture a carrément pris feu, quoi. La voiture a carrément pris feu, hein. Exactement comme ce qui s'est passé dans l'accident de ce star camerounais appelé Tenor. Ça, c'est un truc hors du commun, ce qui se passe cette année. Qui. Vous allez voir ça. Vous voyez ça? Il y a du monde ici. Il y a du monde ici. Les gens veulent voir. Les gens veulent voir clair dans l'affaire, là. Regardez, ils sont venus nombreux. Et voici les deux suspects qui sont là. Vous voyez les deux là, non? Voici le deuxième qui est ici. Et on leur pose des questions. Les gens veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils transportent autant de gris-gris dans la voiture. Pourquoi est-ce qu'ils ont des trucs bizarres? Pourquoi est-ce que la voiture qui est là-bas aussi a pris feu? Parce que vraiment, c'est assez bizarre. Tous les accidents ne sont pas des accidents ordinaires. Qu'on voit des accidents où même la voiture prend feu comme ça. Faites attention. Hein. Faites grave attention. Hein. Ça là, c'est comme s'il y avait une main spirituelle dedans, une main de démon qui a occasionné ça. Vous voyez, on nous dit même que les jeunes gens transportent les fétiches, non? Il y a certains fétiches là, qui n'aiment pas prendre voiture. Les fétiches, là, quand vous avez ça sur vous et que vous montez dans des véhicules, il faut qu'il y ait forcément accident. Sans doute, c'est un fétiche pareil qu'ils ont transporté sans le savoir. Regardez. Look at what they don't do. You take one, we get serious accident. Ritualist, this fool inside this motor. Plenty you do inside this motor. Et c'est la voiture qui est là. Regardez, vous voyez la voiture, vous voyez la voiture. Juste là, derrière là, on voit un coq. Et tout ce que vous voyez à côté, c'est les fétiches. Tout ça, c'est les fétiches. Vous allez voir une belle voiture que l'on va dire, mais oh, c'est une belle voiture. Sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Vous voyez ça? Vous voyez le coq, non? Vous voyez le coq, non? Regardez le coq. Et on voit
plein de médicaments, plein de trucs pour fétiche. Vous voyez, non? Ça, c'est pour le fétichisme. Vous voyez? Plein de trucs comme ça. Waouh! On voit carrément les trucs attachés là-bas, les médicaments. Tout ça. Vous voyez, non? On voit les médicaments, les trucs attachés. On voit un coq. Les gens disent. Ça, c'est pas clair, hein? Est-ce que c'est pas un pays là? Sans doute ce sont des ritualistes. Tout de suite, on les a attrapés. Les gens sont en train de leur poser des questions pour essayer de savoir hein, ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que les gens ont bien fait de faire ça? Et les gens veulent savoir si souvent ils transportent aussi des êtres humains. Qu'est-ce que des fétiches font-ils dans la voiture de deux jeunes gens comme ça? Vous voyez ça? Le deuxième en blanc ici. Les gens sont venus, ils veulent voir clair de cette affaire. Vous voyez toutes les voitures qui sont là-bas ont été obligées de s'arrêter hein, parce qu'il y a l'accident, il y a carrément un grave accident. Ils disent oh regardez les jeunes gens, ou l'agent rapide, l'agent chap chap. Vous voyez là. Avoir de l'argent, c'est pas facile. Avoir vraiment de l'argent, c'est pas facile. C'est faire de l'argent. On ne se lève pas comme ça pour se faire de l'argent. Il faut travailler dur. Mais c'est le bon chemin. Sinon, si tu voulais passer par un autre chemin, forcément, vous allez rencontrer la mort. Et ces gens-là transportent des fétiches. Ils transportent des fétiches de la voiture. Beaucoup de fétiches comme ça. C'est par rapport à quoi? Et voici, il y a eu un accident. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Les gens forcément vont dire, ah, c'est vous qui avez tué, c'est vous qui avez été responsable de l'accident. Regardez comment la voiture de l'autre monsieur était en train de brûler comme c'est pas possible. Le monsieur, contre qui il a donné l'accident, il pense que le monsieur n'est pas mort. Mais, si les gens n'étaient pas intervenus à temps, forcément il y aurait mort d'homme. Il y a cette fétiche là, je vous le dis, il y a cette fétiche, quand vous les transportez là, il faut qu'il y ait accident parce que ces fétiches ne supportent pas les voitures. Ces voitures, les fétiches n'aiment pas les voitures. Donc, quand vous vous montez dans un véhicule, hein, il faut que quelque chose se passe. C'est comme ça. Les ritualistes. Les ritualistes. Les ritualistes. Et il lui demande d'entrer dans la voiture de voir si si souvent il transporte des poids humains. Lui demande de regarder le gars dans la voiture, il essaie de voir si je vois ce genre de transport de la viande lui-même. Il a le son que suit le gars. Hein. À cause de l'argent rapide, l'argent en vitesse. Regardez l'autre voiture qui est là-bas, il y a tout de boulot comme c'est pas possible. Ça là, vraiment, hein? Il y a même vraiment démoniaque de cette histoire. Et le gars, celui-là, ce monsieur qui est là, hanté, il a vu, on va le poser à quelques amis. Est-ce qu'il y a un être humain aussi là-bas? Oui, non. Tout ce qu'il peut voir, c'est un coq. Et les gens veulent vraiment prouver que ces gens-là transportent aussi des êtres humains, quoi, de la chair humaine. Regardez. Oui. Ouais, c'est ce que les jeunes gens font aujourd'hui. Sim.
On est assez nombreux là-bas. Waouh. Vous voyez ça? Voit-il trouver une partie du corps humain là-bas? Comment se fait-il que de jeunes gens comme ça transportent des fétiches en grand nombre, quand même beaucoup de fétiches? Sont-ils des féticheurs ou ont-ils été envoyés? L'argent rapide, l'argent facile, on dit chap-chap, ça conduit très souvent à la mort. Oui, oui, comme j'ai dit de vous le dire, méfiez-vous de ces gens d'accident où il arrive que la voiture même prenne feu même, jusqu'à peut-être ça explose. Des gens de situation où, on peut, où les gens disent ah, s'il n'y avait pas de gens pour intervenir, sans doute les gens allaient mourir brûlés dans la voiture. Ce genre de situation là, ce sont des situations orchestrées par les démons. Ce sont des accidents orchestrés par les mauvais esprits. Eux, ils transportent les mauvais esprits sur eux. Tellement l'esprit est mauvais, l'esprit a souhaité même boire le sang sur place. C'est pourquoi non? Il a provoqué l'accident. Le fétiche a provoqué l'accident. Nous sommes presque en fin d'année. Regardez ce qui se passe. Les accidents par-ci, les accidents par-là. Si vous sentez où vous voyagez, confiez d'avance votre voyage à Dieu. Confiez votre voyage à Dieu 3 jours avant votre départ. Il dit bien 3 jours. 3, c'est ça, comment? C'est quoi? C'est 3. 3 jours avant votre départ. Priez, dites Seigneur, dans 3 jours je voyage, prends le contrôle de tout. Il dit bien 3 jours. C'est parce que vous ne savez pas ce qui se prépare spirituellement lorsque vous devez voyager. Faites vraiment attention. Maintenant que les gens l'ont attrapé, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ils vont passer à la police, ils vont leur poser des questions, ils vont nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils transportent tout ça. Parce qu'au Nigeria, c'est aussi, on entend beaucoup de mauvaises choses par rapport aux rituels, à tous ces genres de choses. Sans doute, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des éléments, d'autres éléments encore, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe là-bas. C'est pas étonnant que ces gens-là soient agités comme ça. Hein. C'est pas étonnant. C'est parce que ça doit se passer là-bas beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fois-ci. Ça se passe beaucoup cette fois-ci. C'est pas étonnant. C'est vraiment pas surprenant. C'est même normal. Regardez ce que l'être humain transporte, ça a occasionné un grave accident. Ça a occasionné un grave accident. Ce sont des ritualistes. Regardez la voiture de brûler. La voiture des gens. Moi, mais vraiment, quand je regarde les voitures, je dis, moi, je n'ai pas envie d'investir même beaucoup d'argent dans les voitures. Hein. Parce que quand ça a un petit accident seulement là, vous n'imaginez pas les dégâts que ça peut faire. Surtout les voitures, même très chères. Dans les Lamborghini, tout ce genre. Quand on voit les accidents, les dégâts sont trop énormes. Tu n'as pas même envie de mettre 400 000 euros dedans. Hein? C'est pas de la blague. Est-ce que vous serez prêt à mettre 400 000 euros dans une voiture? Et laissez en commentaire, expliquez-moi aussi. Et on voit la plaque. Vous voyez ça? On dit Inugu. Au Nigeria.
Le mot qui intervient à chaque fois, c'est ritualiste. Ritualiste, là-bas, là, les gens ne jouent pas ça. On fait des ritualistes, on fait des yo boy. Genre, ce qu'on appelle le bouton, encore du bois, quoi. C'est grave. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais tomber sur ça et j'ai décidé de vous en parler. Faites grave à ce qui reprend encore. Je vous le dis, faites vraiment grave attention hein, à ce genre d'accident où la voiture prend feu. Là. Faites attention à ça. Les gars transportaient sans doute des fétiches très dangereux. Des démons. Des démons qui n'aiment pas monter dans les voitures. Ou des démons qui avaient soif, qui avaient envie de boire le sang. Parce que là, c'était un fétiche. Là. Il faut verser le sang dessus. Soit c'est le sang d'un corps ou d'un animal. Ou un nom. Parce que ça boit le sang. Donc il avait quoi? Il a créé un accident. Un grave accident! Voici ce que l'homme fait. Voici ce que l'homme est en train de faire. Il abandonne Dieu pour les fétiches. Il abandonne Dieu pour les démons qui boivent le sang. Juste pour les choses éphémères. L'argent, le pouvoir, la gloire, vanité de vanité, toutes les vanités. Vous courez après des choses qui vont créer votre propre mort. Pour rien. Pour rien. Combien de rois sont-ils morts? Combien de rois sont-ils morts? Même le roi David, il est mort. Salomon, le roi aussi, il est mort. Tout se passe, tout le monde va passer. Mais qu'est-ce que vous laissez derrière vous? C'est ça. C'est ça. Je vous demande de vous prochaine de chance. Bon, c'est parti. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouve toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez pour la prochaine vidéo.